Ce soir, on va parler de musique du monde, on va parler de paix et d'unité aussi. On va parler de l'album Makassi avec Freddy Massamba. Hey, salut Serge. Freddy, comment vas-tu? En tout cas, je t'attendais. Hein. Bienvenue à la maison. Merci de nous recevoir chez toi. Ton petit coin de paradis, c'est ouais, ici ouais, aussi, c'est ici où je c'est, à la limite, je dirais que c'est pas ma piole, mais c'est mon labo. Labo, pourquoi tu dis labo? Mais c'est ici où j'écris mes textes, c'est ici où je m'inspire, j'écoute des musiques avec un petit appareil à moi pour pouvoir m'inspirer de ce que je donne au mélomane. C'est un album de voyage. Surtout le premier. Ouais. Surtout le premier. Oui. Et le deuxième, Makassi. Makassi, c'était plus des instruments traditionnels et qu'on a enregistré à Kinshasa en passant par Brazzaville, puis à Genève. Botenayo, Congo, Togo, Gabon, Nigeria, Soudan, Liberia, Burundi, Uganda, Nangadef, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina, Faso, Rwanda, Benin, Zambia. Ça parle de quoi ce texte? Ces textes, c'est des textes de qui parlent de la vie, de l'amour, de ce que j'ai eu pendant ma séparation et ainsi de suite. Aussi la séparation de mon pays parce que ouais. j'étais forcé à quitter mon pays. La guerre est c'est plus que le cauchemar. C'est la vie qui change, c'est ton rêve qui bascule dans un sens où tu ne comprends pas, tu n'as pas d'argument, tu ne sais pas comment expliquer ça. L'horreur. Érythrée, Libye, Comores, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Madagascar, Île Maurice, Afrique, Nyon, Soli, Sanga, Topé, Sana, Maboko. Tu as ton propre projet, ton album, Makassi, et puis tu as aussi les tambours du Brazza. Puis je sais que tu donnes aussi des cours en Afrique de percussion, d'art dans certains pays africains. Tu as besoin comme ça d'être dans plusieurs domaines, d'échanger. Oui, en fait, ma mission, j'ai une mission, je le pense, je pense me perdre, mais je suis sûr que ma mission, c'est de pouvoir... Sur la terre, sur terre. Ouais, c'est de pouvoir repartir surtout sur le continent africain, récupérer tout ce qui est instrument traditionnel, de pouvoir partager ces instruments, les sons que nos ancêtres nous ont donnés, de pouvoir les mixer, travailler avec des Américains, des Anglais, des Belges, là où je suis, moi je suis belge, je vis ici, et puis pouvoir pouvoir les ramener plus loin. On a ça c'est le Nsakala, ça c'est genre de percu, ça je l'ai ramené depuis le Congo, je l'ai toujours. Les mamans jouent dans les chorales ou dans les veillées mortuaires. Ça c'est en fait c'est la calebasse, c'est un fruit ou un fruit sauvage. Depuis le temps, on s'est rendu compte que c'était quand même une grosse caisse. Donc on le pose sur un tissu. Tu nous fais une petite démonstration? Oui. Écoute, tiens, je m'accompagne. Ah bon, ok. Donc tu restes sur le 1, comme ma main. Ok. Là, voilà. Voilà.
ki yayi mambo de tabe bala yayi ikele ve ba ukadi ikele ve ababali pana me na boy in the